Ok. Ouais. Allons-y. C'était tellement lourd. Je peux t'aider avec ça. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie d'aider une femme, bien sûr. Ah. Tu sais que j'ai toujours l'habitude de le faire, Ikem. Qu'est-ce que les gens diront quand ils devront porter ma calebasse d'eau? Depuis quand est-ce que l'opinion des gens commence à nous déranger dans notre relation? Ce n'est pas du tout important. Ikem, donne-moi ce pot tout de suite. Tu ferais mieux de me donner, parce que tu sais que si tu ne donnes pas en paix, je prendrai ma force. Tu veux essayer? Ikem, les gens sont là. Ce n'est pas important ce que les gens disent. Donne-moi cette habit, s'il te plaît. Tu veux aussi l'utiliser? Bien sûr. Je pensais que tu avais dit que au moment était allé à la rivière. Pourquoi n'était-ce pas encore de retour? Oui, mais je l'avais envoyé à la rivière. Je lui avais même dit que j'aurais besoin de cette eau pour faire la cuisine. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas toujours là. Ah! Les enfants d'aujourd'hui, ils permettent toujours à ce que des choses inutiles puissent les distraire pendant qu'ils font leur travail. Hein? C'est vraiment triste. Le truc, c'est que le roi et Ichie ont accepté cela. Très bien, aucun problème. Vous ne trouvez pas que tout devient compliqué? Quelque chose devrait être fait avant que cela ne devienne une histoire tragique. Puisque le grand prêtre nous a assuré qu'il ira mieux, alors croyons juste qu'il ira mieux, c'est tout. D'après ce que tu as vu, Ubochi. Oui. Est-ce que le roi ressemble à quelqu'un qui pourra guérir très bientôt? Madoka, qu'es-tu en train d'insinuer? Je n'insinue rien du tout. J'essaie juste de trouver une idée, d'après ce que j'ai eu à observer. Eh bien, espérons que le futur répondra à nos questions. Hey, viens. Hey. Maman. Qu'est-ce que tu fais dans ma parcelle? Maman. Hey. Salutations. Garde tes salutations, idiot. Dépose ça ici. Hein? Qu'est-ce que tes misérables petits pieds sont venus faire dans ma parcelle? Maman, s'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît. Je t'ai envoyé puiser de l'eau que je vais utiliser pour faire la cuisine. Par contre, tu es allé à la rencontre de cette stupide chose. Comme si ça ne suffisait pas, tu lui as même permis de toucher de l'eau que je vais utiliser pour faire la cuisine. Stupide chose. Maman! Tu dois repartir à la rivière pour aller m'épuiser de l'eau. De l'eau que je vais utiliser pour faire ma cuisine. Allez, sors de ma parcelle. N'as-tu pas entendu ma femme? Sors de ma parcelle! Ah, tu
veux que je te frappe ceci à la tête? Hein? Lébé, que je te voie encore dans ma parcelle, tu verras, pauvre idiot. Et toi, tu dois repartir à la rivière et me puiser de l'eau que je vais utiliser pour faire la cuisine. Je dis, à Mouma. J'irai nulle part. Hein? Naï, as-tu entendu ce qu'elle a dit? Je vais m'occuper de ça moi-même. À Mouma, je vais te tuer aujourd'hui. Je t'ai dit que j'allais m'occuper de ça moi-même. À Mouma, qu'est-ce que je te dis? Je vais m'occuper de ça. Attends, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qui a renversé de l'eau sur toi? Ah ah! Mais pourquoi Nganga me déteste autant? D'ailleurs, qui lui a renversé de l'eau? Que dois-je faire maintenant? Nganga, tu sais bien que je suis ton père. Et me mentir est quelque chose que tu ne devrais jamais faire. Ces habits mouillés ne prouvent pas que cet acte a été commis inconsciemment. Je te le demande encore. Que t'est-il arrivé? Ok. J'ai eu un malentendu avec la mère de Amoma Abuchi qui s'était fâchée contre elle et a jeté de l'eau sur moi. Quoi? Attends. Tu veux dire que cette sorcière t'a fait ça à toi? Écoute papa, c'est pourquoi je ne voulais pas te dire ça parce que tu aimes bien réagir même pour des petites choses. Tu sais, attends. Ce n'est rien. Attends. Tu appelles cette eau rien du tout. Écoute-moi, personne ne peut humilier mon fils et en sortir indemne. Ah. Et d'ailleurs, je t'avais prévenu de rester très loin de cette fille-là. Je t'avais prévenu de rester loin de sa fille. Maintenant, ceci t'arrive parce que tu t'es décidé de me désobéir. Tu vois ça? Papa, ce que tu me demandes de faire là, c'est impossible. Exact, hein? J'aime Amoma et je l'aime énormément. Puisse les dieux empêcher cet amour maudit. Quel amour maudit? Écoute-moi bien. Ça n'arrivera jamais. Je ne pourrai jamais m'asseoir et voir cela arriver. Et le plus tôt tu commenceras à l'accepter, le mieux ce sera pour nous deux, mon fils. Toi-même. Moi et toi, nous savons que le lien qui relie Nganga et Amuma est vraiment très fort. Et ce lien ne peut jamais être brisé, jamais séparé. Arrête de me dire ça, Uchi. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille, que je n'en ai pas? Je me fiche de ce qu'ils ont ensemble. J'aime Nganga, point final. Je veux me rassurer de faire tout ce qui est humainement possible pour que Nganga tombe amoureux de moi. Ne fais pas cette raide obsession pour l'amour. Laisse-les respirer. Ah, Uchi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Je pensais que tu étais mon ami. N'est-ce pas que tu es censé me soutenir? Ne me fais pas regretter d'être venu vers toi. Je suis désolée. Tu as intérêt. Je veux juste te conseiller comme une amie. Je n'en ai pas besoin. Ah. Alors, c'est comme je le disais. Mais qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas besoin d'écouter ce que j'ai à dire. Je peux t'entendre. Je ne dirai plus rien. Hey, salutations mon fils. Salutations, né. Je n'ai pas du tout besoin qu'un voyant puisse me dire que tu es un forgeron. Exact. Ce sont là certains de mes outils. Oh. Oui, et actuellement, je me dirige vers chez les gens qui me les ont demandés. Mon fils, tu ne m'as pas l'air familier. Es-tu de ces villages? Non, non. Je viens de votre village voisin, Achara. Exact. C'est pour ça. Ok, bien, j'aurai besoin d'un de tes outils. La houe, pour être plus précise. Tu sais que la saison de pluie approche à grands pas. Que les dieux soient loués. Bien, je peux les apprêter dans les 4 jours du marché qui viennent. Exact, juste, donnez-moi votre adresse. Dites-moi où je vais les emmener. Si je peux y demander, bien sûr. Oh, une fois que ça sera prêt, hein? Viens dans notre village. Ok. Et demande auprès de n'importe qui. Ok. La maison de Mazi Owakwe. Mon mari est très populaire. Ils vont te montrer la maison. Mazi Owakwe. Ok. Ok. C'est d'accord. Oh. Je dois partir maintenant. Oh. Ok, mon fils. Prends soin. Merci, Né. Je suis vraiment très heureux. C'est bon. Bonne route. Hey. Chai. Oui, mon fils. Chai, voyez-moi cet homme. Il est vigoureux et il travaille dur. Et il n'est pas mal du tout. Oui, mon fils. Ikem, je suis vraiment désolée pour ce que ma mère t'avait fait l'autre jour. S'il te plaît, juste pour moi, pardonne-la. Combien de fois vas-tu t'excuser pour ça au juste? Je te l'ai déjà dit que je ne suis pas du tout en colère, peu importe ce qui s'est passé. D'ailleurs, je n'ai absolument aucune raison pour laquelle je serais fâchée contre toi. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors arrête de t'excuser. Ok, je commence. Puis-je dire que je t'aime? Même si tu me le dis pas, je sais. Mais j'aimerais bien entendre quand même. Ok, je t'aime. Oh, ça a l'air si beau. Tu sais que je t'aime aussi, n'est-ce pas? Je sais. Qu'est-ce qu'une fille tout ceci? À moi, s'il te plaît. Pour qui tu te prends dans ces royaumes? Qui je pense que je suis? Je ne comprends pas. As-tu un problème avec moi? Très bonne question. Né, j'ai beaucoup de problèmes avec toi. Tu es la raison pour laquelle Ganga ne veut pas être avec moi. Né, s'il te plaît. Arrête de distraire Ganga et laisse-le voir des belles choses que j'ai. Tu es sérieuse? Donc, tu bloques mon chemin, me prévenir pour mon nom. La personne que tu n'auras jamais, même dans ton rêve. Et penses-tu que tu as quelque chose d'intéressant en toi?
Attends un peu, c'est une insulte ou quoi? Considère ça comme tu veux. Écoute, laisse-moi te conseiller. Arrête de gaspiller ton temps. Et n'ose plus jamais essayer ça encore. Reviens ici, jeune fille. C'est quoi la signification de toutes ces bêtises? Ne crois pas que je te laisserai passer après des bêtises que tu viens de vomir. Tu les voulais. Et si je demande, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu... Je vais te tuer aujourd'hui. Je veux qu'on puisse jouer avec mes esprits. Et même si je t'ai laissé, tu ne l'auras pas. Je vais te donner une bonne leçon de ta vie. Tudé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est moi qui m'est arrivé. À Mouma? Comment? J'ai donné à moi la leçon de sa vie aujourd'hui. Viens t'asseoir. Laisse-moi. Pourquoi tu peux même faire ça? Viens t'asseoir. Tu t'attends vraiment à ce que je réponde à cette question? Viens t'asseoir. Hein? Comment est-ce que toi, mon ami, tu me poses la question de savoir pourquoi est-ce que je fais ça? Pendant que tu sais très bien qu'elle a volé l'amour de ma vie. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Ah. Assieds-toi et arrête d'être bête. Assieds-toi. Arrête. Tu vois ça? C'était juste une erreur. D'ailleurs, tu n'as pas l'air d'une personne qui a frappé quelqu'un. Tu parais comme si Amouma t'a frappé. Elle t'a vraiment frappé. Elle était montrée vraiment sur toi. C'est de ça que tu as l'air. Ouche, s'il te plaît. N'accentue pas ma colère. Je suis déjà de très mauvaise humeur, donc n'en rajoute pas. Tu n'as jamais été d'une bonne humeur. Une guerrière du village. Assieds-toi, je vais prendre soin de toi. Arrête! Et soigner toutes ces choses. N'est-ce pas que c'est ce que tu es censé faire, à la place de poser trop de questions? Regarde mon corps. Oh mon Dieu. Amouma, tu es morte. Tu es vraiment morte. Amouma, tu n'as pas répondu à ma question. Je te la repose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, c'est Tchégué. Tchégué? Oui, qu'est-ce maman. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je me suis battue avec Tchégué. C'est ce qui s'était passé. Mais je l'ai frappé. Tu l'as frappé? Oui. Alors pourquoi tu es en train de penser tes plaies? Peu importe. Pourquoi vous vous êtes battue? Maman, j'ai oublié à propos de ça. Je vais bien. Tout va bien. Il est vrai que tu vas bien. Mais je peux voir que tu ne veux pas me parler de ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave. Une fois que je la verrai, je lui poserai moi-même la question. Ok. Une fois que tu auras fini avec ton traitement, tu iras me poser de l'eau à la rivière. Aujourd'hui? Maintenant. Ok. Assieds-toi. Laisse-moi l'appeler pour toi. Eh bien, je dis assieds-toi. Oh,
Donc, tu ne veux plus le voir, ça? Non, je veux le voir, Maï. Assieds-toi. Assieds-toi, laisse-moi l'appeler pour toi. Merci, Maï. Exact. Je voulais vraiment faire ceci. Maintenant, j'ai satisfait mes désirs. N'importe quoi. Ta mère avait renversé de l'eau sur mon fils et rien ne s'est passé. Et maintenant, je t'ai donné le retour de ce que ta mère a fait à mon fils. Hein? Maintenant, va-t'en. N'importe quoi. Voilà que tu cherches qu'est-ce que tu peux détruire. Est-ce que ta mère, ta sorcière de mère, ne t'a pas interdit de venir ici? Que tu ne devrais pas être dans cette maison? J'ai dit, attends. Ok, tu es encore là. Tu es encore là. Hein? Je vais prendre plus d'eau. Je vais en prendre plus. N'importe quoi. Attends, ne bouge pas, reste bien là. J'arrive. Hein? Tu es encore là? Tu veux vraiment plus d'eau? Hein? Que j'ose encore te revoir de cette parcelle. Demain, tu sauras où tu devras être. Stupidité. Exact. Laisse-moi voir ce qui va te ramener dans cette maison. Ça t'apprendra de mes que ce soit de ce monde. Exact. Où est mon tabac? Hey, les dieux, je vous remercie pour cette bonne opportunité. Oulouloulou. Kem? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Kem, j'étais allée te chercher chez vous et ton père a renversé de l'eau sur moi. Mon papa? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Pourquoi? Kem, ce n'est pas de sa faute. Il s'est juste vengé pour toi. Je ne comprends pas. Comment est-ce que mon père t'a renversé de l'eau en voulant se venger pour moi? As-tu oublié, Sylvie? Ma maman m'avait renversé de l'eau sur toi. Et il s'est juste vengé. J'arrive pas à y croire que tu prennes part à l'acte de méchanceté de mon père. Kem, je ne prends pas sa part. Je... Je t'en préviens avec moi. Oh. Dans ma maison, bien sûr. Non, je ne pense pas. Regarde-moi. Je dois d'abord aller à la maison et m'échanger. Ne t'inquiète pas. Va à la maison. On se verra plus tard le soir. Oh. Ikem, je suis vraiment désolé pour ça. C'est bon. Je suis vraiment désolé. Viens. Désolé. Désolé. Ok. À plus tard. Ok. Papa! Papa, où es-tu? Que voulait dire ce que tu as fait? Hein? Pourquoi tu jetais de l'eau sur mon mât? Comment as-tu pu? As-tu perdu tes sens? Pointant une machette à ton père. Tu sais qu'est-ce que tu as fait mal? Je n'aime pas ça! Était-ce bien
quand sa sorcière de mer t'a renversé de l'eau à toi? Était-ce bien? Je suis assez âgé pour prendre mes décisions. Ne me pousse pas, Abou! Ne me pousse pas, sinon... Sinon quoi? Que peux-tu donc faire? Veux-tu combattre ton père? Vas-y, essaye! Laisse-moi te montrer pourquoi je t'ai appelé à Goudou dans ma jeunesse. Peux-tu essayer? Je ne me dérangerai pas que tu sois mon fils. Je te défigurerai seulement le visage. Vas-y, fais un pas, viens! Exact! Vas-y, fais un pas de plus. Donne le premier coup. Combat ton père. Exact. Viens, viens. Voyez-moi cette stupidité. Essaye la prochaine fois. Essaye prochainement. Oh, essaye ça encore. Plus? Viens, non, viens. Oh, sois plus proche. Viens te battre avec moi. Juste. Nganga, viens te battre avec moi. Viens ici, tu vas défier ton père. Y a quelqu'un à la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Oh. Salutations, belle demoiselle. Mes salutations. Qui es-tu et qu'est-ce que tu cherches? Je crois que... qu'ici, c'est... la parcelle de Mazuroko, n'est-ce pas? Oui, exactement. Comment pouvons-nous t'aider? J'ai... Hey! Mon beau forgeron. Héné, mon nom est Lotena. Salutations. Bienvenue. Là où que vous avez demandé? Hey! Hé où? Juste comme je le voulais. Tu as fait un très bon travail. Hey! Laisse-moi t'apporter ton argent. D'accord. Hey! Hey, mon Dieu! Hey! Voilà ton argent. Je suis vraiment surpris, né. Vous ne m'aviez même pas demandé combien c'était. Je n'ai pas besoin de te demander. Hein? Le prix est connu de tous. D'ailleurs, les gens chez qui tu avais vendu autrefois m'avaient donné le prix. C'est d'accord, Né. Je dois me mettre en route maintenant. Ma jolie fille. Maman. Notre invité est sur le point de partir. Ok. Que le Dieu l'accompagne. Ici. Tchaï. Au revoir, Né. Bonne allée. Merci infiniment. Salutations. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je t'ai apporté à manger. Je l'ai préparé moi-même, tout justement comme tu l'aimes. Tchégué, je ne me souviens pas de t'avoir dit que j'avais faim. Exact, je n'ai pas demandé ta nourriture. Et même si j'avais faim, je préférerais mourir de faim que de manger ces poisons que tu appelles nourriture. Dégage ici. Nganga. C'est bien moi. Pourquoi tu me fais ça? Tu me fais ça? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour te faire plaisir dans ces royaumes? Qui t'a demandé de me plaire? Qui t'a demandé de me plaire? Voilà maintenant que tu vas pour harasser ma fiancée. C'est ça? Tu es vraiment chanceuse. Tu es vraiment chanceuse. Remercie tes dieux. Que je n'ai pas réagi quand j'ai entendu cela.
Va-t'en d'ici avec ton poison. Hé hey. Sale sorcière. Non, Ganga, je ne peux pas partir comme ça. Pas après avoir cuisiné ce plat délicieux pour toi. Regarde, tu vas l'adorer. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Tu es encore là. Tu ne pars pas. N'importe quoi. Non, car sorcière. Une perte de temps. Ah, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ces beaux jeunes hommes qui viennent partir il n'y a pas longtemps? Quel homme travailleur dont tu parles? Les forgerons l'automne. Maman, je ne comprends pas. Suis-je supposée dire quelque chose à propos de lui? Ah, tu n'as donc pas remarqué comment est-ce qu'il t'a regardé? Ah, maman, j'ai noté et je l'avais aussi compris. Hey, c'est ça le signe de l'attirance. Il t'apprécie. Hey! Maman, tu es vraiment incroyable. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur de fréquenter un homme étranger. Oh, laisse-moi finir ce travail en paix. Hmm? Je vais balayer là où tu te tiens. Maman. Bonjour, Nai. Toi encore? Est-ce que ton tuyau est enterré dans ma parcelle? Eh. Nai, je vous en prie. Attends-moi là. Hein? Hey, wow! Non! Vas-y, reviens ici! Hey! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi ce garçon. Tu as bien fait. Hein? Tu as vraiment bien fait. Tu aurais dû couper sa tête. Tu vois ce garçon? Hein? La prochaine fois qu'il ose revenir ici, ce que je vais lui faire à lui, le rendre même populaire à la place du village. Ah! Mon cher mari, je ne sais quoi dire. Tu m'impressionnes pour la toute première fois. Je suis fier de toi. Hein? Mais tu dois savoir une chose. Tu vois ce jeune homme? Il n'aura pas de place dans cette famille. Hein? Et il ne l'aura jamais. La prochaine fois qu'il viendra, appelle-moi. J'apporterai de l'eau chaude. Hein? On verra ce qui va se passer. Il n'y a aucun problème. Espèce d'idiot.
Salutations, Ney. Ah, salutations, mon fils. Ah, ah, quelle surprise. Oui, oui, oui. En fait, j'ai apporté ceci pour vous. Et wabou. Je sais que vous l'apprécierez. Chai, merci beaucoup, mon fils. J'apprécie. Je vous en prie, Ney. Hey. Dalo. Oh, oh. Hey. Ney. Comment va votre mari? Oh, mon mari va bien. Okay. Il est allé à la réunion des anciens comme d'habitude. Oh, oh là là. Je suis très désolée du fait que tu ne l'as pas encore rencontré. Non, 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 okay. Non, pas besoin d'être désolée. Parce que je sais très bien qu'un jour, je finirai par le rencontrer. Exactement, un jour. Alors, qu'en est-il de votre fille? Hé, hey, ma fille va bien. D'ailleurs, il est là. Attends. Oh. Amouma! Amouma! Amouma, où es-tu? Maman! Devine qui est venu nous voir. Salutations. Mes salutations. Salutations, belle demoiselle. Comment vas-tu? Comme tu peux le voir, je vais bien. Ok, ok. Je t'en prie, est-ce que... Puis-je avoir une discussion privée avec toi? Pourquoi? Bah non, non. Hey, Amouma, sois gentille envers ces jeunes hommes. Hein? Maman, je suis désolée, je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît, même la prochaine. Ok. Lotona, je suis désolée. Hein? Elle n'est pas de bonne humeur. Je comprends très bien, je comprends. Je comprends. Je sais qu'il y aura toujours un moment, Poupisse. Exactement. Je dois partir maintenant. Oh, bon aller. Merci. Merci pour le cadeau. Je vous en prie. Bien, au revoir. Bien, Amouma. Amouma. Ne me dis pas que tu es toujours en train de te déranger à cause de ce même problème. Papa, à quoi est-ce que tu t'attends d'autre? Quand Kamerhe, j'étais humiliée après tout ce que je ressens pour lui. Papa, j'aime beaucoup Kanga. Bien, si cela te dérange à ce point, j'irai personnellement voir son père pour parler avec lui. D'ailleurs, son père est mon ami. Oh, papa, tu feras ça pour moi? Exact. Merci, papa. Tu es ma fille unique. Ton bonheur est ma priorité. Merci, papa. Maintenant, je vais rendre visite à mon champ. Pas de problème, papa. À cause de ça, je vais cuisiner aujourd'hui ton plat préféré. Et quand tu seras de retour, le repas sera déjà prêt. Oui, merci. Oh, papa. Merci, ma chère fille. Papa. Qu'il va causer avec le père de Ganga à mon sujet. Et je suis sûre que quand il le fera, Ganga n'aura pas d'autre choix que celui de m'aimer. Ah, Uchi, je ne comprends pas. Est-ce que je suis en train de parler à moi-même? Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu espères que je dise? Je me calme et j'essaie de réfléchir. Hein? Mais s'il te plaît, ne reste pas silencieuse. Parle, dis tout ce que tu as dans le cœur. Es-tu sûre que tu veux l'entendre? Oui, j'ai besoin de tout entendre. Alors parle. Ney,
Si tu me demandes, la chose que ton père veut faire, c'est un effort qui ne vaut rien. Oui, le père de Nganga ne peut choisir qui Nganga veut épouser. C'est seulement Nganga qui a un choix à faire. Alors, ma chère amie, arrête de gaspiller ton temps. S'il te plaît, arrête de gaspiller ton temps. Uchi, maintenant je suis convaincue que notre amitié est une erreur. Ne t'approche plus jamais de moi parce que tu n'es pas une amie. Mais, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Tu es le bienvenu, mon cher ami. Vas-y, serre-toi. Merci, mon ami. Notre peuple dit que le meilleur moment pour chasser une chèvre, c'est en plein jour. Exact. Parce que pendant la nuit, on risque de ne pas la voir. Exact. Tu as raison, mon cher ami. J'espère que tout va bien. Tout va très bien. Encore un peu? Non, c'est bon. Toi et moi avons été amis il y a bien longtemps que je m'en souvienne. Exact. Ce qui dérange toi me dérange moi. Exact. Tu veux plus de notre cola? Non, c'est bon. Tu n'as jamais cessé de me montrer ta bonté et ta gentillesse toutes ces années. Exact. J'apprécie notre amitié. Et je souhaite qu'elle continue encore pendant longtemps. Il en sera le cas. Ichi Oboji. C'est une question. Je la connais, non? Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'est la vérité. Ton fils est un garçon respecté et très fort, exactement comme son père. Et ma chère fille est une très belle fille, elle aussi. Oh, Colo. Tu n'arrêtes pas de... Oui. Je vois là où tu veux en venir, juste. Hein? Tu es vraiment un homme sage. Exact. Moi, personnellement, je pense que ta fille fera une très bonne femme pour mon fils. Bam! N'est-ce pas là où tu voulais en venir? Exactement là où je voulais en venir. Ne t'en fais pas. Donne-moi juste un peu de temps pour parler à mon fils. Ne t'en fais pas. Hein? Ne te dérange pas. Tu as tout le temps, mon ami. Oh, bien sûr. Et ceci va nous aider à sceller notre amitié encore plus fort. Otoku. Okolo. Hey, tu es le bienvenu. Ne t'en fais pas. Ce que tu viens d'avoir en tête là, je pensais déjà à ça depuis. Hein? Je te jure. Y a-t-il quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, bien, Nutan, je n'arrive pas à comprendre. C'est la maison de mon père et non le marché là où tu vends tes choses. Hein? Non, mais je n'ai pas d'outils avec moi ici. Mais je suis désolé si tu as pris ça de cette manière. Oh, j'ai besoin d'un peu de temps avec toi. Le temps, pourquoi je me demande? Juste pour parler avec toi. Bien. Je ne suis pas intéressée dans tout ce que tu as à dire. Lutana, laisse-moi te conseiller. Arrête de suivre l'ombre que tu ne peux pas atteindre. Oh, j'ai sorti déjà avant que tu arrives. Ma mère, ta personne préférée, n'est pas là. Et même pas mon père. Mais tu peux t'asseoir et l'atteindre. Oh, elle sera bientôt de retour. Mais, Amoma, tu n'es pas une ombre. Oh, assieds-toi. Elle arrive. J'arrive à la toucher, n'est-ce pas?
depuis aussi longtemps. Oh, je suis désolée. Hein? Pardonne-moi. Je suis désolée, je suis venue en retard. Je suis désolée. Pardonne-moi. C'était pas grave. Tu ne peux pas imaginer. Quoi? Souviens-toi de cet homme que je t'avais dit l'autre fois. De qui est-ce que tu parles exactement? Ah ah! Comment tu peux oublier si rapidement? L'homme noir qui fréquente souvent la maison de mon père au nom de faire plaire à ma mère. Au-delà, il a plaisir à différentes femmes. Oh, je m'en souviens, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Je l'ai laissé chez moi. Il est venu me voir. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il venait faire là? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas au juste? Comment saurais-je? Il est grand temps que je vois cet homme. Exact, il faut que je te voie seul à seul pour pouvoir parler avec lui d'homme à homme. Obim, la première fois où j'ai vu cet homme, mon instinct m'a dit qu'il y avait quelque chose en lui. Je n'étais pas vraiment à l'aise. Mon amour, tu n'as pas à t'inquiéter à propos de lui. Non, ne lui laisse pas te stresser. Écoute, quand il va se fatiguer, il arrêtera de venir. Alors tu vas réaliser que ma maman a trop hâte que cela arrive. Mais cela n'arrivera pas. Ah ah, c'est pas moi qui vais décider. Elle ne peut pas me forcer. D'accord. Tu sais, tu m'as manqué. Allez, viens là. Je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes trop pour pouvoir aller chercher un autre homme. Non. Allons-y. Ok. Ma chérie. Où est cet homme? Où est cet homme stupide, Ubochi? Ubochi! Où es-tu? Ubochi! Où est cet insensé? Et cette sale idiote dans ma maison? Dis à ton idiot de fils de laisser ma fille tranquille. Je viens de les apercevoir sur la route. Et tout soudainement, ils ont disparu avec la sorcellerie de ton fils. Ça, c'est pas possible. Donc, tu as le culot de venir dans cette parcelle avec ta sorcellerie. Voyez-moi ces pauvres idiots. Tu verras quelque chose que tu ne pourras gérer si tu ne demandes pas à ton fils de laisser ma fille tranquille. Demande-lui de rester loin de ma fille ainsi que de tu ma famille. Je devrais être celui qui te mettrait en garde. Dis à ta obalgée de fille d'enlever le charme qu'elle utilise sur mon fils. Bien sûr, je sais que mon fils ne sera jamais sa femme même si elle faisait cela. Mais je t'assure, ta sorcellerie sera bientôt dévoilée. Crois-moi. Si ton fils ne laisse pas ma fille tranquille, hein, je rendrai ce village invivable pour lui. Mets en cage ta fille inutile. Parce que si jamais j'ose la voir, je vais... Ma chère fille, je peux imaginer à quel point tu es heureuse, hey, ma fille. Papa, tu peux le dire encore? Oh, papa, n'est-ce pas que c'est clair? Que les dieux se battent pour moi. Oh. Papa, si la mère d'Abouma est contre les relations et que le père d'Nganga ne veut même pas entendre parler de cette relation, papa, c'est certain que la relation ne va pas marcher. Donc, cela veut dire que Ganga sera tout à moi. Il n'y aura pas d'autre option. Oh, Ganga, je t'aime. Tu as tout dit, ma fille. Je t'ai dit de ne pas te quitter, que tout irait bien.
Papa. Ne le vois-tu pas maintenant? Papa, je suis maintenant convaincue. Je suis impatiente de ces jours quand tu vas me donner le vin et que j'irai me présenter auprès des gangas. Oh, je suis impatiente. Papa, oh mon Dieu, tu es le meilleur papa du monde. Oh, je t'aime, je papa. Je t'en prie, ma fille. Oh, papa, laisse-moi danser pour toi comme je le ferai ces jours-là. Oui. Ganga. Hey, ma chère fille, tu es vraiment très magnifique. Nganga, combien de temps suis-je supposé endurer ceci juste à cause de toi? Père, mais de quoi est-ce que tu parles? N'ose pas prétendre que tu ne sais pas de quoi est-ce que je parle là. Tu es la raison pour laquelle cette sorcière est venue ici pour m'insulter et devant mon ami Okoro. Père, mais à qui fais-tu référence? La mère de cette Obanje que je t'ai interdit de voir. Oh oui! Elle est venue ici jetant un bon nombre d'insultes sur moi. Elle a même abusé et m'a traité de nom. Simplement parce que tu lui as donné le droit de faire cela en choisissant de me désobéir, moi. Mon fils, si tu veux une femme à épouser, la fille de Okoro est magnifique. Et elle a absolument... Assez, père, assez. Je ne suis pas intéressé en une quelconque fille. Tu es en train de plaisanter. Je ne suis pas intéressé. Tu dois... C'est en train de présenter, tu n'es pas sérieux. Écoute, tu dois être prêt et tu dois être intéressé en une autre femme plutôt que la fille de cette sale sorcière. Oh, vas-tu donc me forcer à le faire? Je le ferai si nécessaire. Vraiment? Exact. Que je dis que je suis désolée. Pardonne-moi. S'il te plaît, je te promets que ça n'arrivera plus. S'il te plaît. Donc tu promets que tu ne diras plus rien de négatif concernant mon désir d'avoir un gaga comme mari? Je promets de ne plus jamais dire quelque chose de négatif entre toi et gaga. S'il te plaît. Que dois-je faire si tu n'arrives pas à tenir ta promesse? Si j'échoue à réaliser, mes parents ne me parlent plus. Ok, tu es pardonné. Hey, mais je t'ai manqué. Toi, étais tout petit comme mirage. Tu m'as aussi manqué. Hey. Mais j'ai quelque chose de très important à te raconter, ma belle. Dis-moi non, vas-y. Peux-tu imaginer que toutes les deux familles ne sont pas d'accord avec la relation qu'entretiennent leurs enfants? C'est du mensonge. Attends, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, ma belle. Ma chère, je suis impatiente de le voir se séparer. Finalement, tu as gagné le combat. Tu me connais. Gaga sera Né, hein? Votre fille est vraiment très belle. Exactement comme vous. Et vous, merci. Merci beaucoup pour les compliments. Tu es un homme qui travaille dur. Que les dieux soient loués. Maman. Hein? Bienvenue, ma fille. Merci. Bienvenue. Chai. Je reviens dans quelques minutes. C'est d'accord. Bia, à moi. Maman,
C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu es revenu du champ et tu as vu ce jeune homme qui était assis avec moi. Tu sais très bien que c'est toi qui l'es venu chercher. Mais tu es venu rester ici calmement après avoir déposé le bois de chauffage. C'est quoi ton problème? Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu voulais que je vienne là et l'embrasser? C'est ton invité et non le mien. Maman, s'il te plaît, ne m'oblige pas à commencer cette conversation avec la personne que je ne connais pas. Amouma, accorde une chance à ce jeune homme. Je suis sûre qu'il fera un très bon mari. C'est assez, maman, s'il te plaît. Je ne lui donnerai jamais la chance que tu cherches. Ce jeune homme doit stopper de gaspiller son temps. Parce que ce qu'il cherche dans cette maison, je ne lui donnerai pas cela. Il doit arrêter de venir passer son temps ici. N'essaie plus jamais de me parler de la sorte. Ça, c'est la maison de mon mari et tu n'as pas le droit de crier sur moi. Marie-toi. Il est temps pour toi de te marier et d'aller dans la maison de ton mari. Donne-moi des petits-enfants. Hey, maman, s'il te plaît, accepte Nganga. Alors tu auras les petits-enfants que tu cherches. Es-tu une malade? Je crois déjà t'avoir interdit de ne pas mentionner ces noms dans cette maison. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Allez, reviens ici. Reviens. Reviens, idiote. Oh, un moment. Mon fils, je suis vraiment désolée à propos de tout. Il n'y a pas besoin d'explication. J'ai tout entendu moi-même. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Je crois qu'avec le temps, tout ira bien. Ok? Je pense que je vais partir maintenant. Très soudainement. Ok, c'est bon. Je vais causer avec elle. Je vous ai entendu. Bon, allez. Merci bien. Salutations, salutations. Salutations. Mon nom est Nganga. Je suis un fermier et un faiseur de paniers. Le forgeron de Hachala, le village voisin. Je vois. Tu en sais plus sur moi. Je ne suis pas surpris parce que je suis un businessman. Juste comme toi. Personnellement, je ne te connais pas seulement étant un businessman. Lotana. Amoma, la fille dont tu visites constamment la ville de son père, est ma femme. Je l'aime énormément que tout homme qui ose s'approcher d'elle devient automatiquement une menace pour moi. C'est pourquoi je te parle en tant qu'un homme qui distingue les sentiments d'un cœur. Je t'en prie.
Il est temps pour toi d'arrêter ces processus. Mets fin à cette souffrance. Parle et sauve les innocents. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Maman? Maman, attends, attends. Où est-elle partie? Maman? 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 Okoro, mon ami, et sa magnifique fille. Soyez le bienvenu. Oui. Lève-toi, ma chère fille. Lève-toi. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ok. J'espère que tout va bien. Hey, mon ami. J'ai attendu assez longtemps. Et puisque je n'ai pas entendu parler de toi, j'ai décidé de venir avec la magnifique fleur chez toi pour la planter. Ah! Okoro, tu es le bienvenu. Oui. Et elle est vraiment une très belle fille. Mam. Hey, tu sais, comme je l'ai dit, elle est très belle et vraiment convenable pour mon fils. Merci, Naï. Ma fille, tu peux t'asseoir. Laisse-moi l'appeler. Nganga! Nganga! Oui, père. Nganga, te voilà en train de sortir avec une Mercedes, est-ce que tout va bien? Oui, papa, je vais aller trouver quelques rameaux pour mes paniers. Sous ce soleil accablant, pourquoi ne pas le faire ce soir, ou mieux encore, demain matin? Comme tu peux le voir, nous avons des visiteurs. Père, ils sont tes visiteurs, alors tu peux prendre soin d'eux. Je vais aller couper mes rameaux. Nganga, sois un gentleman. Ne vois-tu pas à quel point cette fille assise ici est vraiment très belle? Hein? Père, comme je te l'ai dit, ils sont tes visiteurs. Je n'ai rien à voir avec une quelconque fille dans la parcelle de mon père. Nganga, de quoi est-ce que tu parles au juste? Allez, arrête ça et fais ce qu'il est nécessaire. Hein? Père. Ce qui est nécessaire ici, c'est aller trouver des rameaux pour mes paniers. Et non m'asseoir ici pour m'entretenir avec une quelconque fille indésirée dans la parcelle de mon père. Excusez-moi. Nganga. 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 Hey. Comment oses-tu faire référence à ma fille de manière aussi respectueuse, hein? Je t'en prie, je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-lui à cause de notre bonne amitié. Je t'en prie, tu connais les enfants de nos jours. Ils sont si imprévisibles. Ah, ma chère fille, arrête de pleurer. Écoutez, il va bientôt revenir à ses sens. Hein? Pas la peine de pleurer. Hein? Il va t'épouser, je t'en prie. Hein? Arrête de pleurer. Ha! Je t'en prie. Ha! Nganga. Nganga. Ha!
Amala Jodogu. Ekelengi. Ma congo cocher, we wait to be better than them more. Buru Kenja Jeben Bade Bagum Benabo. Eh? A quasim canjanjuju. We enemy have you fake and free and an hour. Oh, cosy me. I suck with an ashime. Namma me, me. A sister could see find the gun. Oh, cosy me. Makana Burukaja Jebem more. Kotokotakawuna, no one that you are fabulous, Makano Fabulo Barrow. Makano sister put on if you had a bubble. Or say, eh. Arrête tes actions. N'appelle pas la rage des dieux sur toi-même. Les dieux sont justes. Ils ne sont pas prêts à t'aider. Tu ne peux pas aimer en blessant le cœur de l'homme que tu prétends aimer. Il faut que tu laisses la destinée en décider. Tu dois laisser le futur se révéler soi-même. À quoi consommer? Tu es gay. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Es-tu sûr que tout va bien? Oui, ça va. Parlez à votre servant. Je vous écoute. Hein? Je trouve ça très difficile à comprendre. Révélez-moi vos voix. Montrez-moi vos voix. Que dites-vous?
Nos parents n'ont pas besoin qu'on soit ensemble. Ils ont juré que notre union ne marche pas. Je t'aime, Gamba. Et je ne peux pas vivre cette vie sans toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Prends-moi. Je m'offre moi-même à toi. S'il te plaît. Arrête, n'est pas comme ça. Chérie, c'est une abomination. Je m'en fous. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors je suis prête à payer le prix. Mon amour, prends-moi, mon amour. Donne-nous une nouvelle naissance. Fais-moi devenir une femme. Je m'offre tout à toi. S'il te plaît, si tu m'aimes et que tu veux le meilleur pour moi, ne me rejette pas. Fais ce qui importe avec moi, mon amour. Non, attends. Nous le ferons ensemble, chérie. Ensemble, je te le promets. Je suis avec toi et tu sais très bien que je ne peux jamais te quitter. I don't know. The atmosphere is not pleasant. I can't explain the mystery, but I feel a strange spirit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Something unusual and strange has happened somewhere. L'atmosphère n'est pas plaisant. What do you think happened? Je ne peux expliquer le mystère, mais je peux sentir un esprit bizarre. But I'm sure that quelque chose d'inhabituel et d'étrange est en train de se passer quelque part. Hein? À ton avis, qu'est-ce qui s'est produit? Je ne peux pas l'expliquer. Mais je suis sûr que tout ne va pas bien. Ebere. Oui. La situation de ce royaume n'était rien d'autre. Ma sœur, ma chère, ça fait longtemps que le roi est malade. Il paraîtrait que ça fait très longtemps que les anciens nous cachent cette information. Ma chère, qui sait ce qui va se passer? Qui sait s'il va mourir? Naï, bonjour. Oh, Naï, nos salutations. Maraki, ça va? Très bien, monsieur. Et toi donc, Martha? Il va bien, merci, monsieur. Très bien, prenez soin. Oui. Ma chère. Comme attendez je te disais, hein, comment tu trouves? Je sens le ça va m'a faire peur. Moi aussi. Êtes-vous sûr qu'une tragédie n'est pas arrivée au palais? Je crois qu'il a raison. Je crois que nous venons tout droit du palais. Quelque chose de bizarre. Mais je ne crois pas que cela se soit passé au palais. C'est bien vrai que nous venons du palais il y a quelques minutes de cela. Mais n'oublions pas non plus que quelque chose pourrait arriver en quelques secondes. Même avant exact. Une seconde, quelque chose peut arriver. Exact. Je prie que le roi ne soit pas mort. Je prie aussi. Regardez quoi. Okari tenab. Regardez ni fa gema bane we soyan. Osia ku tenab, osia kete mushi ne kuchi eh. Passez mes sept bien. Dieu de notre terre. Pourquoi êtes-vous si silencieux avec moi? Parlez-moi. Dites-moi ce qui s'est passé.
pourquoi avez-vous choisi d'être silencieux avec votre servant? Hein? Buruka jeje ben bade bagun bena ba ko sime. Asim ka difa ge ma ba na we so ya. Agumadike. Wana na meva de ma bana ewesu oni anyi. Tu sais, tu as fait de moi un homme aujourd'hui. Tu m'as aussi fait une femme. Quoi? Mon amour, ne t'inquiète pas. Tout ira mieux. Quand j'irai à la maison, je vais me laver. Et si tes parents le voient? Je ne le laisserai pas voir. Mon amour, je t'aime énormément. Et je continuerai de t'aimer aussi longtemps que je serai vivant. Je t'aime aussi. Nous pouvons maintenant partir. Pas si vite. Je me sens à la maison ici. Je veux dire, c'est comme la maison pour moi. Allons-y. Non, restons encore pour un moment. Salutations, Nai. Non, salutations, Nai. Salutations à tous les deux. J'espère que tout va bien. Exact. Oui. Tout va oui. Bien. Pourquoi cette question? Je peux voir que vous vous sentez anxieux. Anxieux? Anxieux? Non. Non. Exact. Oui. Nous sommes vraiment anxieux de rentrer à la maison. Oui. Exact. Allons à la maison. Ok. Mes salutations. Tu vas bien? Je vais bien. Je le suis. Je vais juste aller faire quelque chose dans ma chambre. Thank you.
Hey. Sans effet, mon fils ne peut devenir fou comme ça. Salutations, papa. Nganga, papa, pourquoi portes-tu ce sourire suspicieux? Depuis quand est-ce que un simple sourire est devenu quelque chose d'inquiet? Sache que tu es mon fils. Le fils que je connais n'a jamais eu ce sourire que tu as aujourd'hui. Ou y a-t-il quelque chose que tu n'es pas en train de me dire? Je suis juste heureux. Exact. D'ailleurs, papa, tu aimes bien te déranger pour des choses qui ne sont même pas nécessaires. Exact. Maintenant que je m'en souviens, quelque chose d'étrange s'est passé aujourd'hui. Je veux dire, sais-tu si Paris de nouvelles ou que tu as vu si il y a eu quelque chose d'inhabituel? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Peu importe, puisque le grand prêtre ne dis rien à propos, alors essayons juste de prétendre que tout va parfaitement bien. Ok, je vais déposer toutes ces branches. Je serai dans ma chambre pour me reposer parce que je suis vraiment épuisé. Épuisé? Épuisé? Par quoi? Qu'est-ce qui a bien pu l'épuiser juste comme ça? En aussi peu de temps. Épuisé? Tu aurais dû arrêter les processus. Tu aurais dû empêcher cela. Tu aurais dû les prévenir. Que veut dire tous ces rêves? Et qui est cette femme? Salutations, mes anciens. Salutations, mon fils. Ubochi, Madoka. Je t'en prie, je ne veux pas que tu sois offensé par cette question que je vais te poser. Je t'en prie, vas-y. Quelle est la raison qui a fait que tu puisses haïr la maison de Wakwe et qui a causé autant de haine entre les deux familles? Demande-le-lui encore. Je suis intéressé à savoir ce qui a causé ce long et infini désagrément. Tous les deux me surprenaient. N'étiez-vous pas là quand il a convaincu le roi de ne pas faire de moi un faiseur de roi? Et même quand le roi avait jugé bon que je méritais cette position, il est allé là-bas et l'a convaincu autrement. Pourquoi est-ce que tous les deux êtes en train d'agir comme si vous étiez ignorant de tout ceci? Hein? Ce n'est pas la raison pour laquelle tu pouvais étendre toute ta haine sur la famille entière. D'ailleurs, tu as convaincu le roi de ne plus lui donner aucune charge
même dans les villages voisins. Madoka, es-tu en train de soutenir Wakwe ou quoi? Loin de là, Obochi. Ce que j'essaie de dire, c'est que tous les deux, vous êtes fait autant de mal jusque-là. Vous n'avez jamais été bien avec vous-même. Et ceci a affecté les deux familles. Si je puis te demander, Obochi, pendant combien de temps penses-tu continuer dans cette guerre? J'ai perdu ma voix dans ce problème en tout cas. Madoka, as-tu entendu Okoro? Okoro a perdu sa voix. Et je te conseille à toi, Madoka, aussi de perdre ta voix et arrêter d'interférer dans un problème vraiment plus grand que toi. Tu entends ça? Tu peux prendre la note cola ou la laisser si tu n'en veux plus du tout. Godia. Ugodia. 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 Nai. Oh. Nai. Oh. Nai. Tu étais arrivé depuis longtemps. Assez longtemps pour comprendre que le corps de ma femme était ici, mais son esprit était vraiment très loin. Quel est le problème? Ah, il n'y a aucun problème. Je vais bien. Tu veux que je croie que tu vas très bien? Mais ce n'est pas le cas. Quelque chose te dérange et j'exige de le savoir. Non, rien ne me dérange, Nai. Tu ne peux donc pas voir que je suis en train de rire. Et aucun problème, je vais bien. Tu veux que je croie que tu vas bien? Ah, Nai, quand je te dis que je vais bien, crois-le, parce que je veux bien. Oh, je vais bien. As-tu faim? Ok, t'inquiète, je vais préparer ton plat préféré. Aujourd'hui, le soir, juste donne-moi le temps d'aller chercher les légumes, je reviens. Hey, Lotona. Ah. Que les dieux soient loués. Hey, je ne m'imaginais pas que je pouvais encore te voir. Hey, salutations. Salutations, mon fils.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu arrêté de venir nous voir? Je suis vraiment désolé, Né, mais je devais le faire. Il n'y a aucun doute que j'aime bien votre fille, mais c'est vraiment si malheureux qu'elle... Elle n'a pas du tout les mêmes sentiments pour moi. Arrête ça, mon fils. Il y a un homme dans sa vie et je ne peux pas me mettre entre eux. Un homme? Exact, Né. Ah, mais qui t'a menti? Il n'y a aucun homme. Hein? Amouma est ma fille. Si elle avait un homme dans sa vie, elle me le dirait. Cela n'est pas possible. Elle n'a personne. J'ai rencontré l'homme moi-même. D'ailleurs, il m'a personnellement confronté à cause de un homme à votre fille. J'avais compris ses sentiments. Un instant. Nganga t'a confronté à cause de ma fille. Exact. C'est cela son nom, Nganga. Né, qui est-il pour Amouma, votre fille? Personne. Il n'est rien pour ma fille. J'aurais souhaité que tu puisses à nouveau venir nous rendre visite. Comme ça, nous allons nous asseoir et en parler. Parce que maintenant, je me rends quelque part. Mais trouve le temps, mon fils, pour que nous puissions en parler. Oh? C'est pas grave. Hein? Oui. Nous devons discuter. C'est fou. Où est cet idiot? Ah. Toi, comment as-tu pu? Mais qui est-il? Parle-moi. Comment as-tu pu mentir au sujet de ma fille? Moi? Moi. Comment as-tu pu empoisonner l'esprit de l'homme qui voulait épouser ma fille? Non, j'étais juste en train d'essayer de... Veux-tu la fermer? Ferme cette misérable bouche. Si jamais je te vois à nouveau à côté de ma très chère fille, je te tuerai. Non mais, qu'est-ce qui se passe ici? Je te dirai ce qui se passe. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je te dirai ce qui se passe. Non. Tu feras aujourd'hui. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Fais-moi passer. Non, pas ça. Ne me touche pas. Ne me touche pas, je t'ai dit. Faites pas ça. Laisse ça. Laisse-moi finir avec lui, ne me touche pas. Laisse-la finir. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Ne me touche pas, je vais tuer ton père aujourd'hui. Fais-moi passer. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas une façon d'en finir avec ce genre de situation. Nous pouvons arranger tout ça amicalement. Je veux dire, on peut s'asseoir et puis arranger tout ça comme une famille. Hein? Toi et qui? De quelle famille parles-tu? Hein? Écoute-moi, toi. Si tu n'avertis pas cette chose que tu appelles fils, je vais les castrer. Hein? Et je vais te tuer. Oui. Bien. Tous les deux, vous n'avez pas encore vu mon vrai visage. Vous le verrez. Pas de problème. Papa, je suis vraiment désolé. Désolé pour toi-même. As-tu vu l'insulte et l'humiliation que tu m'as apportée? Dieu merci que je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. J'allais juste la tuer pour faire face à la sentence du roi, le bannissement. Et rien de plus. On verra bien. On verra bien dans ces villages. Né, ces garçons. Maman? Né. Et pourquoi elle parle à elle-même? Qu'est-ce qui peut bien être le problème? Je suis certaine. Il y a seulement une chose qui peut mettre cette dame dans cet état. C'est quoi la chose?
ne sois pas naïve. Quoi d'autre? Si c'est pas à cause de la relation qu'entretient Ganga et sa fille. Ne sois pas très sûre. Ma belle, je peux parier. Eh bien, je suis vraiment très heureuse. Je suis aux anges. Je sais qu'il m'appartient. Parce que la vérité est que la relation qu'entretient Ganga et cette fille ne va pas marcher. Chege, je te sens vraiment convaincue. Oui, j'en suis certaine. Même si le grand prêtre ne m'a pas donné une réponse positive concernant ma relation avec Ganga, mais je garde toujours Chege, la foi. As-tu visité les grands prêtres à cause de ces problèmes? S'il te plaît, Uche, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis pas d'humeur. De grâce. Chege, pourquoi tu es très collante, Chege? Laisse cet homme tranquille. Chege. Amouma, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Nain, je ne peux plus supporter ces peines. Mon cœur souffre. Alors, s'il te plaît, dites-moi la vérité. Dites-moi pourquoi toi et maman, vous n'aimez pas la famille d'Nganga? Vous les détestez? S'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, je veux que vous nous permettiez d'être ensemble. Je vous promets, j'accepterai mon échec. Si seulement vous me dites le désaccord qui a causé les conflits entre les deux familles. S'il vous plaît. Lève-toi. Ceci est la première fois que je ressens ta douleur. Papa, s'il vous plaît. Tes larmes m'ont vraiment touché. Très profondément. Je sais que j'ai un désagrément avec Ubochi, qui implique aussi le roi. Mais ce n'est pas normal de l'emmener jusqu'au point où nous l'avons fait. J'ai permis à la fierté et à la colère de dissoudre mon sens de jugement. Mais je te promets que je vais y réfléchir. Et je sais également que ta mère a été un grand soutien dans ce combat. Je trouverai également un moyen de lui parler de tout ça. T'en fais pas. Retourne dans ta hutte. Merci, merci papa. Il n'y a pas de quoi. Je suis vraiment reconnaissante. Merci papa. C'est bon, ça va maintenant. Retourne dans ta hutte. Merci papa. Je trouverai un moyen merci, de lui parler. Merci, merci. Allez, lève-toi, lève-toi. Merci. Tu peux y aller maintenant. Ça va aller. Ok, vas-y. Ma très chère femme adorée, mon ange tombé du ciel, tu es la femme qui me soutient. Nai, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais des éloges comme ça? J'espère que tout va bien. Tu es ma femme, je peux te faire des éloges n'importe quand, n'importe où. Je sais qu'il y a quelque chose.
Tu es mon mari et je te connais très bien. Hein? Parce que tu ne peux pas commencer à me faire des éloges pour rien. Donc, qu'importe le problème, dis-le. Écoute, Mieko. Écoute, Mieko. Il est nésé, nésolophonie aussi. ça concerne Amuma et Nganga. Ne penses-tu pas qu'il est temps que nous le permettions d'être ensemble? Jamais. Aussi longtemps que je vivrai, Amuma et Nganga ne seront jamais ensemble. Naï, s'il te plaît, je vais essayer de faire semblant que je n'ai jamais entendu ce que tu viens de me dire. Papa, il faut que tu me répondes. Honnêtement, tu dois me répondre, papa. Écoute, j'en ai marre de toutes tes raisons. J'en ai marre de tes excuses. Je veux dire, comment peux-tu me dire que cette petite chose qui s'est passée entre toi et Mazi Wakwe est la raison pour laquelle vous deux avez eu cette haine l'un envers l'autre? Écoute, je te l'ai déjà dit et à plusieurs reprises. Ok, et même si je décide d'oublier ça comme ça, n'as-tu pas vu ce qu'elle m'avait fait ici la dernière fois qu'elle était là? Ou t'attends-tu à ce que je puisse oublier cela? Papa, je suis désolé pour ça, mais je vais te le dire sincèrement. Je crois qu'il y a bien plus que ça, honnêtement. Tu vois, c'est comme... Je crois qu'il y a un problème bien plus grave que ça qui doit vraiment être résolu. Et à moins que tu me dises la vérité, je ne te laisserai pas tranquille. Je n'ai rien de plus à te dire. Si tu veux continuer de douter, cela est ton choix. Hein? Papa? Tu dois me le dire, oh. Franchement, tu dois me le dire aujourd'hui. Je ne te laisserai pas. Franchement, qu'est-ce qui te prend comme ça? C'est quoi ça? C'est quoi avec toi? Pourquoi est-ce que tu me suis comme ça? Je ne te dirai rien. Je ne te laisserai pas. Je vais continuer de te suivre. Oh. Laisse-moi, oh. Nganga! Nganga! Papa, je suis avec toi. Nganga! Papa? Vas-y, réponds-moi seulement. C'en est de trop. Bien, viens sortir cela de ma bouche. Ah, exact. C'est donc comme ça. Ok, aucun problème. Ah, un petit problème que vous ne pouvez résoudre. Amuma. Ta maladie commence vraiment à me dépasser. Maman, je me sens mieux. C'est rien du tout. Pourvu que ça ne soit pas ce que je suspecte. Maman, qu'est-ce que tu suspectes? Amuma, es-tu enceinte? Ah, hein? Maman! Réponds-moi, es-tu enceinte? Maman, c'est juste une fièvre ordinaire. Je suis bien. Amuma! Maman! Toi et moi savions que tu mens. Maman, pourquoi tu peux même dire ça? Portes-tu un enfant? Hein? Hein? Oui. Tu es enceinte. Comment? Quand? Qui en est le responsable? Maman, pourquoi tu peux me poser ce genre de questions tant que tu sais l'homme à qui je fréquente? Nganga. Oui. Nganga. Hey! Maman! 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 Hein?
Que lui est-il arrivé? Hein? Papa, mais j'ai... Attends, laisse-moi aller chercher des grands prêtres. Hey! Hey! Ce n'est pas possible! Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Mon amour, rien ne va du tout. Est-ce que tes parents vont bien? Je suis enceinte. Es-tu sérieuse? Kim, tu sais que je ne peux pas jouer avec ça. Ma mère l'avait su depuis hier et elle a fait une crise. Oh, je suis désolée pour ça. Comment va-t-elle maintenant? Elle va bien maintenant, mais ce n'est pas ça le problème. La chose la plus importante est qu'est-ce qu'on va faire à propos de ça? Kim? Ne t'en fais pas, ok? Fais-moi juste confiance, tout ira très bien. Ok? Es-tu sûr? Exact. Viens avec moi. Mais où? Pour voir mon père. Et Ken? Exact. Tu sais que ton père me déteste. Ken, je perds. Je perds que cela ne se termine pas bien. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter, mon amour. Ok? Ne t'en fais pas. Fais-moi juste confiance. Oh? Allez, souris-moi. Très bientôt, je serai le père de mon fils. Allons-y. Tu sais, mon père est peut-être impulsif, mais il peut être très gentil des fois. Alors, sens-toi très à l'aise et surtout tranquille devant lui. Et tu verras que tout va très bien se passer. Crois-moi, ça va aller. Kim, hey. Je ne veux pas rester ici. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour ça, mon amour. Tu es en sécurité avec moi. D'accord? Nganga, ne t'ai-je pas prévenu de ne pas venir avec elle dans cette maison? Et toi, tu veux vraiment voir ma partie cachée? Mais salutations, Nain. Ne bouge pas de là. Écoute-moi, tu as encore la grâce de quitter cette parcelle de manière intacte. 9, 8, 7. Papa, je t'en prie, écoute tout seulement un peu, je t'en supplie. 6, 5, 4, 3. Papa, même si tu la hais à ce point, je t'en prie, ne serait-ce que pour ton petit enfant, donne-lui une audience, je t'en prie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Amoma est enceinte. Elle porte mon enfant. Ton petit enfant. Chege, le mal s'est fait. Ouh, le mal s'est fait. Bien, Uche, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que tout va bien. Tout va bien pour moi. Mais tout ne va pas bien pour toi. Oh,
Où tu sais ce que je n'aime pas chez toi? Hein? Je t'ai posé la question. J'espère que tout va bien. Tu m'as répondu que ça ne va pas pour moi. C'est quoi le problème? Oh, mon mari est enceinte. Hein? Tu dis quoi? Oui. Elle est enceinte. De qui? C'est quel genre de question bête que tu me poses? C'est une ganga, bien sûr. Mensonge? Ah! Uche, Uche, tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi je jouerais avec ces sérieux problèmes? Mazuduki est venu dire à mon oncle Mazuduka. Et comment penses-tu que je l'ai appris? C'est ce que tout le monde mijote. Je suis même étonnée que tu n'as pas encore appris cela. Hey! Hey! Chege. Chege. Tu vas bien? Viens t'asseoir. Papa, je crois qu'ils sont en route. Ah, eh bien, espérons qu'ils viendront comme ils l'ont promis. Hein? Oui, papa. C'est bon, espérons qu'ils... Ah, oh. Papa, ils sont là. Salutations par ici, salutations. Naïm, bienvenue. Merci bien. Viens là, toi. Et Wakwe. Je peux ne pas être le bienvenu dans ta maison, mais je t'en prie vraiment, en tant que des hommes matures et des pères responsables, je t'en prie, donne-moi quelques minutes de ton temps pour qu'on parle un peu, s'il te plaît. Bienvenue, asseyez-vous. Je suis surpris que tu nous souhaites la bienvenue, malgré... tout ce qui s'est passé. Voilà donc, mon fils, asseyons-nous. Tu sais... Wakwe, tu sais... mon fils ici présent. Je sais pourquoi vous êtes ici. Ton fils a rendu enceinte ma fille. Certainement, tu es ici pour un arrangement, n'est-ce pas ça? Mais... tu es vraiment un homme très noble. Tu as raison, mais je peux te promettre que tout sera... Assis avec tout ça! Et Wakwe? Sortez tout de suite de ma parcelle! Maman! Goudia! Je dis sortez de ma parcelle! Quel est le problème avec toi? Ces deux hommes, ce sont eux mon problème! C'est pour cette raison que je veux qu'ils sortent de ma parcelle! Je croyais qu'on avait discuté de ça avant! Discuter à propos de quoi? À propos de qui? Hein? Demande à ces hommes de partir! Hein? Vous êtes toujours là, vous voulez savoir ce que je ferai. Ne bougez pas, je reviens. Mon ami, s'il te plaît, calmez-vous d'abord, ok? Je vais voir comment gérer ça, mais pour l'instant, vous devez d'abord... Non, laisse-moi. Arrête avec ça. Laisse-moi en finir avec, je vais le mettre en morceaux. Ougodia. Les idiots. Quel est le problème avec toi? Hein? Maman, maman, pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi? Tais-toi. Pas un mot. Sinon, je te tuerai et tuer ce bâtard que tu as dans le ventre. Tais-toi! Assez avec ça! Quel est le problème avec toi? Hein? Viens-tu de crier sur moi? Réponds-moi, viens-tu de crier sur moi?
Ça ne va pas? Hein? Regarde-toi. Tu n'es plus l'homme avec qui je me suis mariée. Tu m'as vraiment déçue. Ugodia, qu'est-ce qui se passe au juste? Hein? À chaque fois que je te regarde, je vois une totale étrangère et totalement différente. Oui, je suis devenue comme ça parce que tu m'as changée. Cette chose que tu appelles fille, c'est elle qui m'a rendue comme ça. Toi et ta fille, tous les deux, vous n'avez encore rien vu. Ça, c'est rien que le début. Toi, pas de problème. Allez, viens, ma chérie. Viens, tu vas rester avec moi. Arrête de pleurer, ça va aller. Je veux te demander quelque chose. Pourquoi ne veux-tu pas leur pardonner malgré que moi je l'ai déjà fait? Naï, ce qu'a fait Obotch est impardonnable. Isoguadro, pourquoi te comportes-tu ainsi? Ou y a-t-il quelque chose de pire que ça, que moi je ne sais pas? De quoi est-ce que tu parles? Quelque chose en moi me dit que tu me caches quelque chose. Hein? Dis-moi. Y a-t-il autre chose qui s'est passé entre toi ainsi que Ubochi? Hein? À part le conflit que j'ai eu avec lui. Je te le demande à toi. Pourquoi ne veux-tu pas leur pardonner malgré que moi je l'ai déjà fait? Pourquoi est-ce que tu veux en faire tout un tas? Naï, y a pas un autre péché. À part celui que tu as bêtement et aveuglément oublié. Ce que Ubochi avait fait, c'est de la trahison. C'est assez pour que je puisse haïr toute sa génération. Je ne vais jamais lui pardonner. Et je n'accepterai pas sa famille. Alors que va-t-il arriver à ta fille enceinte? Thank you.
Hey, Nai. Hey, je te cherchais justement. Eh oh, Nai, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais parti rapidement voir mes légumes au champ. Oh, Chai, je me dépêche d'aller au palais. J'ai une réunion du cabinet et c'est pour une urgence. Je vais aller là-bas. Ok, ok. Merci bon, bien. Nai, as-tu envoyé à Moumé? Oh non, je ne l'ai pas fait. Je crois que tu devrais aller voir à l'intérieur. Ou aller regarder derrière la hutte là-bas. Si elle n'est pas non plus là-bas, bien sûr tu sais bien où tu pourras la trouver. Je vais au palais. Amouma. Mon amour, je t'en prie. Je t'en prie, arrête de pleurer. Oh, tu sais à quel point tes larmes brisent mon cœur. Hein, je t'en prie. Oh. Comment j'arrêterai de pleurer quand tout dans ma vie ne marche pas? Comment? Mon amour, ma maman ne nous permettra jamais d'être ensemble. Elle me permettra de faire n'importe quoi le reste de ma vie que rester avec toi. J'aimerais vraiment savoir pourquoi est-ce que ta mère me hait autant. Qu'ai-je pu faire donc? Que lui ai-je fait de mal? Obi. Hein? Partons loin de ce village. Partir? Oui. Allons-y quelque part très loin et vivrons ensemble. Loin de tous ces troubles et souffrances. Obi, je sais qu'avec le temps, chaque chose sera comme on le pense. Obi, s'il te plaît, ne dis pas non à ma demande, s'il te plaît. Non. Je ne dirai jamais non à ça. Tu as fait une très bonne suggestion. D'ailleurs, j'aurais voulu suggérer cela, mais j'avais vraiment très peur. Parce que je ne savais pas comment tu réagirais à ça. Mais, maintenant que tu l'as dit toi-même, j'en suis heureux. Et j'irai avec toi. Merci, merci, merci beaucoup, mon amour. Alors, quand est-ce qu'on part? C'est seulement maintenant, je suis prête. Attends, non, on ne part pas aujourd'hui. Attends, nous allons partir au jour même du marché. Pourquoi devons-nous attendre jusqu'au jour du marché? On devrait partir maintenant. Parce que nous devons nous préparer. Oh bim, je dois mettre les choses en place. Il y a des gens qui me doivent de l'argent pour mes baskets que j'attends jusque-là. Et j'ai également des baskets qu'il faut que je vende. Il faut que j'aie assez d'argent. Parce que je ne veux en aucun cas que toi et mon futur enfant ne souffriez. Je t'en prie, chérie. Reste avec moi. Je te comprends très bien. Mais je dois d'abord arranger les choses, ok? Ok, si tu dis ainsi. Fais-moi confiance. Je ne peux pas attendre. Je suis vraiment impatiente. Je suis vraiment impatient, moi aussi.
N'est-ce pas que c'est un moment qui vient de passer? Pourquoi elle ne nous a pas salués? Tu ne vois pas comment elle est excitée? Elle a l'air d'une personne vraiment excitée. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle soit heureuse à ces points? C'est une question. Tu crois pas que ça pourrait être à cause de son amoureux? Quel amoureux? Dis-moi, quel amoureux? Pourquoi tu demandes quel amoureux? Elle est ensemble avec qui dans ce village? Nganga, bien sûr! Donc c'est pour cette raison qu'elle est toute souriante? Ma chère, qui ça peut être? Avoir un homme comme Nganga, très beau, oh voyons, qui ne pourrait pas être excité? Ma chère, je veux un homme comme Nganga dans ma vie. Né, mes salutations. Salutations à toi. Je ne peux pas y croire. Maman a préparé mon plat préféré. Nemo. Oh. Nemo, ma. Merci. Maintenant, elle dort. Quand elle va se réveiller, elle ne sera plus la même.
Bienvenue, Naï. Merci beaucoup. Où est Moma, sinon? Elle doit sûrement être à l'intérieur. Si jamais elle n'est pas là-bas, tu sais très bien où la trouver. Ah, Moma, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Moma. Ah, Moma, chérie. Oh, ah, Moma. Ma fille. Qu'est-ce que tu as? Ah, Moma. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, Moma, qu'est-ce que tu as? Laisse-moi. Laisse-moi. Naï, fais quelque chose. Je t'en prie. Bien, bien. Fais quelque chose. Ah, Moma, calme-toi. Calme-toi, ma fille. Je t'en prie. Ah, Moma, qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Naï, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'en prie, dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman. Mon estomac, ça me fait mal. Du sang. Regarde, du sang. Du sang. Seigneur. Fais quelque chose, je t'en prie. D'accord. Fais quelque chose. Je vais chercher le grand prêtre. Tiens-moi, ma fille. Je t'en prie. Reste avec moi, maman. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal, ma chérie. Je voulais juste qu'on se débarrasse de la princesse. Allez, maman. Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi. Ma chérie. Ma fille, s'il te plaît. Allez, doucement, ma fille. S'il te plaît, je t'en prie. Hé, Naïo. Naïo, où es-tu? Ah, maman. Ah, maman. Reste avec moi, je t'en prie, ma chérie. Allez. Ah, maman. Ah, maman. Écoute, ça va aller. Hé. Ewakwe, hein? Hey, qu'est-ce qui te poursuit comme ça? Qui a-t-il? Ma chère fille est mourante. Hein? Elle est en train de saigner sans arrêt. Je dois aller voir Ikoro. Je dois y aller. Okoro, qu'est-ce qui a bien pu arriver à sa fille? J'ai entendu dire qu'elle était enceinte. Exact. Enceinte? Bam. Hey. Allons-y. Ah. Bonjour, Nan. Salutations, bonjour, ma fille. Salutations, mes anciens.
Salutations, Ganga. Est-ce que ton père est là? Exact. Je vais aller le chercher. Ok. Qu'est-ce qui a bien pu emmener ces hommes sous ce soleil accablant dans mon humble demeure? Parce que le crapaud ne marche pas en plein jour en vain, j'espère que tout va bien. Ubuchi. Oui? Quelque chose ne va pas avec ta belle-fille. Ma belle-fille? Je ne comprends rien. Nous avons vu Ewakwe courant sur le chemin, étant très inquiet. Quand lui avons demandé ce qui se passait, il a dit qu'il était en chemin pour voir Ikuku parce que sa fille est en train de sérieusement saigner. Exact. Que venez-vous de dire? C'est exactement ça qu'il a dit. Que l'état actuel de sa fille est vraiment fatal. Madoka, dis-moi que tu ne plaisantes pas. Ai-je vraiment une raison de le faire? Demande à Okoro ici présent. Okoro, est-ce vrai? C'est un fait. Et où est-ce que tu vas? Pour voir Ewakwe et savoir ce qui se passe avec sa fille. Vous pouvez venir avec moi. Vous pouvez venir. Oui, allons-y. Odume Jemba. Oruo. Ekatakaban kokubi yori. Agadouma yedam dama wa bouto di bon. Oko sime. Noruo. Ikuku, dépêche-toi. Conduis ce main. Oh maman, s'il te plaît, je n'avais pas de mauvaises intentions. S'il te plaît, ma fille, s'il te plaît. Hé, où est-ce que tu vas? Ne la touche pas. Tu es la raison pour laquelle elle est dans cet état. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ne t'approche surtout pas. C'est quoi ton problème? Hein, jeune homme? Qu'a-t-elle dit qui lui est arrivé? Elle ne m'a rien dit du tout. Elle ne m'a même pas laissé la toucher. Ugodia, que s'est-il passé? N'essaie surtout pas de me poser de questions. Écoute, femme. Essaie de te ressaisir et donne des réponses à ces questions. Et donne des bonnes réponses. Tel que je suis là, je ne dois des explications à personne. Femme, mets-toi de côté. Thank you.
Hein? Ne l'empêchez pas. Hein? Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle ne bouge plus? Hein? Ne la touchez pas. Ah. Hey. Femme, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous pourquoi tu as permis le processus de cette abomination. Vous devez me laisser tranquille. J'ai très mal au cœur. Dis-nous pourquoi tu as permis le processus de cette douleur. Et Coco, mais de quoi est-ce que tu parles? Elle est ma femme. Ta femme sait de quoi je suis en train de parler. Femme, parle avant que la rage des dieux ne descende sur toi. Je ne peux pas. Désolée, je ne saurais pas parler. Tu parleras. Cela est le seul choix que tu as. Hey. Je ne peux pas. Attends. Iken, arrête. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hein? Je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Non, on le peut. Écoute, je ne saurais plus me retenir longtemps. Mon corps en a tellement envie. Alors, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Attends, stop, arrête ça. Ah, s'il te plaît. Tu dois vraiment continuer à te retenir. D'ailleurs, je serai à toi pour toujours. Et pourquoi tu me presses? Non, je ne saurais vraiment plus me retenir longtemps. Si vraiment tu vas être mienne pour toujours, alors tu devrais me donner ce qui me rendra heureux. Vas-y, donne-moi. Allez, un peu. Arrête! Oh. Arrête ça! Hey. Si je serai à toi pour toujours, je peux bien le faire. Hey. Mais pas ici, et pas comme ça. Oh. Je ne peux pas. Non, tu le peux. Écoute, on s'est promis d'être mari et femme. Hein? Alors donne-moi cette chose qui va nous rendre mari et femme. Je t'en prie, je t'aime, Godzilla. Je t'en prie, permets-moi. Allez, ne me touche pas. Tout ceci est au-delà de moi. Je ne peux pas faire ça. Tu le peux. Je ne peux pas. À moins que tu ne sois pas amoureux de moi. Tu as prétendu que tu m'aimais, mais ceci prouve que tu ne m'aimes pas, Godia. Ikem, pourquoi tu peux dire une chose pareille? Tu sais que je t'aime. Alors si tu m'aimes, laisse-moi t'avoir, chérie. Laisse-moi faire de toi une femme. On peut devenir mari et femme et commencer le processus. Écoute, Ugodia, je t'aime du plus profond de mon cœur. Tu es si magnifique, Ugodia. Je le sais. Je t'en prie, laisse-moi. Mais je ne peux pas. Oh, tu vas aimer ça. Oh, je vais le faire doucement. Je te promets de faire doucement. Et tu vas aimer ça. Oh oui. Tu vas aimer ça. Non, je vais le faire doucement. Doucement. Non. Oui. Oh oui, je ne prendrai pas beaucoup de temps. S'il te plaît. Oui. Ugodia, pourquoi es-tu si excitée comme ça? Oh, tu l'as remarqué? Remercions le Dieu parce que tu as vu. Qu'est-ce qui peut me rendre excitée à ce point si ce n'est pas l'amour que j'ai pour Ubochi? Et lui pour moi. Es-tu sûre qu'il t'aime de la même façon que tu l'aimes? Ah! Honnêtement, je ne m'y attendais pas que cette question viendra de toi. Moi et toi, nous savons comment Igochi me traite et son plan de m'épouser. Et pourquoi tu me poses cette question si tu ne connais rien? Oh, désolée, ne le prends pas mal, mon ami. Je voulais juste en être sûre. Je n'avais pas l'intention de te vexer. Ok, tu ne voulais pas me vexer? Je comprends. Je n'arrive pas à y croire que tu as tenu ta parole. Mon ami Ngidigidi, je suis un homme de parole. Tu devrais te souvenir de ça. Tu aurais dû voir la façon dont elle m'a serré.
Comment est-ce qu'elle criait mon nom? Oh, Bochi, oh, Bochi, oh, Bochi. Et quand je suis entré dans ce paradis... dis-moi un peu plus à propos de ça. Je t'en dirai pas plus. Je sais que tu n'as pas encore vécu cette partie de la vie, ça fait pitié. Tu n'as pas expérimenté cette magnifique partie de la vie. Parce que t'es impuissant. Écoute, je suis impatient de prendre mon chemin sans un seul ami. Eh bien, je te conseillerais d'arrêter de prendre deux amis en même temps. Qu'est-ce que tu dis, Ngidigidi? Tu ne sais pas que c'est pour Amoleka que mon cœur bat si fort? Sais-tu que Amoleka m'aime moi et que je l'aime en retour? Pour tout te dire, Amoleka est très belle. Ce n'est pas comme si Ugo n'était pas si belle que ça. Mais Amoleka a sa touche personnelle de beauté. Elle est respectueuse. Elle est calme, très belle et très humble. Je crois qu'elle sera plus convenable que Ugodia. Donc tu aimes Amoleka plus que Ugodia? Est-ce que je dis que j'aime Amoleka plus qu'Ugodia? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce une mauvaise chose d'aimer deux amis en même temps? Mais c'était la même fille que tu as dit que tu aimais beaucoup trop. Écoute, je t'en dirai plus. Continuons notre travail, puis j'irai à la maison prendre mon bain et je me mettrai en route pour savourer Amoleka. Je sais qu'elle sera plus convenable. Je le crois bien, parce que je vois la façon dont elle bouge souvent sa hanche. Pakata, takata, takata. Allons-y. Je te dis la vérité, mec. Tu vas aimer cette fille. Écoute, je te dis la vérité, mec. Tu verras toi-même que cette fille... Ikem. Oui. Promets-moi que tu ne verras plus jamais cette idiote d'Ugodia. Mon amour, je te l'ai promis avant. Et je te le promettrai encore et encore. Je n'ai rien à voir avec cette bonne à rien d'Ugodia. Je n'ai que toi, chérie. Écoute, je ne sais même pas ce que je faisais avec cette sale Ugodia avant. Écoute, elle n'est rien de toi. Elle ne mérite même pas de me voir. Elle ne mérite pas. Depuis que tu es entrée dans ma vie, ma vie n'a plus été la même. J'aime absolument tout chez toi. Merci. Attends, tu essaies de me demander en mariage indirectement? Bien sûr. Nous méritons tous les deux. Toi et moi allons parfaitement ensemble. En passant, maintenant que je m'en souviens, il y a quelque chose de spécial que je dois te montrer là-dehors. Quelque chose que je veux montrer à quelqu'un de spécial pour mon cœur. Merci. Et tu es cette personne? Allons-y, je vais te le montrer. Par ici. Dans ce cas, aide-moi à me lever. Okay. Oh oui. Oh, j'adore ça. Faire une surprise à la femme que j'aime. Ugodia? Ugodia? Ugodia, tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu as l'air troublée. Je vais bien, je ne suis pas en trouble. Je vais bien. Es-tu sûre? Ugodia, comment vas-tu? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Non, non, qu'est-ce qu'il y a? Ugodia? Ugodia?
Attends, lève-toi. Ogodia, lève-toi, je t'en prie, allez. Ah, Monica, c'est toi qui m'as fait tout ça. Je pensais que tu étais mon amie et tu m'as détruit. Ogodia, de quoi est-ce que tu parles? Je veux dire, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, tu ne sais pas de quoi je parle? Oui, bien sûr. Si c'est la volonté de Dieu qu'ils ont laissé que tout ça arrive, que cela soit ainsi. Mais l'humanité en moi ne vous pardonnera jamais, toi et Ugochi. Je passerai le restant de ma vie en utilisant tout ce que j'ai pour vous ruiner, vous deux. Même si cela m'écoutera à la dernière goutte de mon sang. Sache-le. Ogodia! Ogodia, attends! Ah, je ne voulais pas te blesser. Ogodia, tu dois comprendre que je ne voulais pas te blesser. Ah. Quoi devrais-je faire maintenant? Ojukwe a déjà eu l'intention de m'épouser. Mais je porte l'enfant d'un autre homme. Si j'essaie de lui dire, il pensera de m'abandonner. Et je deviendrai un sujet de moquerie dans ce village et pour tout le monde. Si seulement cela arrive, aucun homme n'aura encore une chance chez moi. Les yeux de notre terre... Pardonnez-moi si je fais tout ça. Je dois enterrer ces secrets maintenant. Kem. Ah. Ogum. Comment vas-tu? Bien. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Ok, Chuku, trouve-moi l'intérieur. Hein? Très bien. Ce n'est pas un problème. Hein? Allez, doucement. Tu y es pas.
Non, allez doucement. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Tu peux bouger. N'en fais pas. Tu vas y arriver. Oui, vas-y. Doucement. Oh non. Ça va aller. Ça va aller. Oui, doucement. Vas-y. Vas-y, entre. Doucement. Viens, tu vas t'asseoir. Oui, entre. Je ne peux pas bouger. Voilà. C'est bon. Du calme. Félicitations. Hein? Félicitations, tu as maintenant une petite fille. Une petite fille. Oui. Une petite fille. Oui. Oui. Vous avez dit une petite fille. Une petite fille. Ah. J'arrive, laisse-moi la soigner. Ah. Une petite fille. Une petite fille. Waouh. Félicitations. Quoi? Ta femme a accouché un petit garçon. Un petit garçon? Oui. Je suis un père. Un petit garçon. Est-ce que je peux entrer maintenant? Non, plus tard. Plus tard. Elle a dit plus tard. Un garçon. Nganga, mon garçon. En ce jour, je te présente au dieu de nos ancêtres. Sois béni parmi tes semblables. Issé. Je te bénis en ce jour. Issé. Je te bénis au jour de Oye. Issé. Je te bénis au jour de Afor. Issé. Je te bénis au jour de Likwa. Issé. Avec toi seront les bénédictions. Et après Issé. Toi également. Issé. Puisses-tu être béni, mon fils. Issé. Sois béni, mon fils. Issé. Sois béni. Donne-moi le bébé. Merci. Nganga, puisses-tu être brave? Oh, elle te ressemble énormément. Merci, Kem. Quel nom pouvons-nous lui donner? Tu veux dire que je dois choisir un nom pour elle? Exact. Peu importe le nom que tu lui trouveras, c'est cela que je choisirai. Alors, appelle-la Amoma. Amoma. Amoma le sera. Quel magnifique nom pour une magnifique petite fille. Merci. Ah. Elle grandira pour devenir une unique femme. Merci, aucun monsieur. Malheur ne pourra jamais la localiser. Ici. Oui. Assure-toi que ce soit lié. Oui. Presse-le bien. Là. Comme ça. Vas-y. Presse bien là. Voilà. Ça, c'est bien. T'en veux un de plus? Ikem? Oh.
Je commence à partir au champ. Oh, ok. Bien, assure-toi de revenir avant que le soleil ne se couche. Je le ferai, Naï. Je serai de retour avant que tu ne te rendes compte. D'accord. Mon fils, rassure-toi de retenir ce que ton père est en train d'apprendre. Tu m'entends? Ah oui. T'en fais pas, il se débrouille bien. Laisse-moi aller rapidement au champ. Je reviens, chérie. Ok, pars bien. Non, pas comme ça. Ça ne devrait pas être ici. Mon fils, je veux que tu sois le meilleur faiseur de panier qu'on ait jamais vu dans notre village. D'accord? Quand tu grandiras, pour que les gens de notre village et du village voisin connaissent ton talent. Ok? Regarde ça. Assure-toi que ça soit bien taillé. Allez, c'est bon. Doucement, ma fille. Ikem. Oh. Ikem. Oh, t'en fais pas, je m'occupe d'elle, ok? Quelle sorte, ça? Doucement. S'il te plaît. Oui, que Dieu te bénisse. Je vais aller visiter une amie. Oh, et prends juste soin d'elle. Aucun problème. Toi, occupe-toi de ce que tu fais, d'accord? Reste avec ton père, ne le dérange pas. Elle va bien, t'en fais pas, ok? Je rentre bientôt. Aucun problème. Concentre-toi, hein? Chikodi, tu rentres déjà? Oui, Nain, mes salutations. Comment va ton père? Il va bien. Il m'avait envoyé d'aller lui prendre les ignames. Oh, c'est vraiment bien, ma chérie. Merci, Nain. Bon allez, ma belle. Merci. Oh, Wamba, ma chérie. Merci, tu es là. Aide-moi, ma chérie. J'ai été mordue par un serpent, je t'en prie. Aide-moi. Aide-moi. Va brûler en enfer. Godia. Godia, je t'en prie. Pitié. Pardonne-moi. Je t'en prie. Aide-moi, Godia. Oh mon Dieu. Godia. Ma chère, aide-moi. Pitié. Ah, pitié. Mes salutations, Nain. Comment ça va? Oui. Mes salutations. Nain, quelqu'un va mourir dans ce village à cause d'elle.
J'ai mal. J'ai mal. Né, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vas-y, parle. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Né? Parle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Appelle mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mari. Parle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Appelle mon mari. Oui, s'il te plaît. Appelle mon mari, j'ai mal. Je suis en train de mourir. À l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider, oh! À l'aide! S'il vous plaît, oh! À l'aide! Bien, hein? Assure-toi de bien faire le tour avec, ok? Oui, vas-y. Couvre-le l'un après l'autre, vas-y. Bien. Presse-le bien, assure-toi que ce soit lié. Voilà, mon fils. Voilà, mon fils, c'est ça. Vas-y, continue. Encore. Venez m'aider! Encore. Encore. Venez m'aider! Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Tu dois venir avec moi maintenant. Ta femme est en train de mourir là-bas au champ. Ma femme, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Je l'ai juste vue au champ. Elle est en train de crier. Elle a mal. Allons vite la sauver. Étais-y. Eh wow, mon amour. Okem, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon amour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas, c'est comme ça que je l'ai vu. Eh wow, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a trouvé dans cet état. Qui t'a vu? Elle a refusé de m'aider. Elle a refusé. Elle était ici. Mais qui était ici? Je ne sais pas, je l'ai vu comme ça. Elle était ici. Mais elle a refusé de m'aider. Non. Je ne sais pas. Prends sa machette. Ramène-la à la maison. Emmène-la à la maison. Emmène-la à la maison. Elle a refusé de m'aider. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie. Qu'y a-t-il? Prends soin de notre fils. Prends soin de notre fils. Je t'en prie. S'il te plaît, ou bien appelez Hugo, je te ramène à la maison. Oh, Marie, je t'en prie. Écoute ce que je t'ai dit. Mon amour, non. Prends bien soin de notre fils. Non. Ne me fais pas ça, Cyril, ne me fais pas ça. Nous prendrons bien soin de lui ensemble, d'accord? On prendra bien. Non. Eh, wow. Non, ne me laisse pas, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, reviens. Oh, mon les gars. Eh, wow. Hey! Amoulika, non! Eh wow, aidez-moi! Je vous en prie! Aidez-moi! Eh wow! Hey! Hey! C'est pas possible! Amoulika, non! Hey! Eh wow! Non! Ne pars pas!
Hey, Aulika! Aulika, non! Non! Aulika, ma femme, ta mère nous a quittés. Mais je te promets que je prendrai bien soin de toi. Nous surmonterons tout ça ensemble. Je ne laisserai aucune arme te blesser. Je serai là pour toi. C'est vrai qu'elle va nous manquer. Mais nous sommes là l'un pour l'autre. Nous devons être forts l'un pour l'autre. Nganga. M'as-tu entendu? Cette Ugodia, où est cette bonne Ariane de sorcière? Où est-elle, bon sang? Hein? Umuchi, que fais-tu ici dans la maison de mon mari? Ugodia, es-tu donc si méchante? Tu es donc sans cœur à ce point que tu as permis à ma femme de mourir en souffrance dans le champ sans même faire quoi que ce soit à propos de ça. Kiamajora, brûle ta bouche avec du feu. Pourquoi oses-tu me traiter d'une sorcière après tout ce que tu m'avais fait toi et à Monica? Hein? Tu as osé venir jusque chez moi pour me sortir ces bêtises? Oh, j'ai l'air d'une personne qui peut prendre soin de ta femme pour toi? Ugodia, entends-tu ce que tu dis? Est-ce donc pourquoi tu l'as laissé mourir? Oh, Ugodia, la ligne de bataille vient de se tracer. Oh. Entre toi et moi, la bataille vient juste de commencer. Alors tu es vraiment stupide. Tu es vraiment stupide que tu n'as pas vu que ce combat a été déjà commencé. Ce conflit continuera de génération en génération. Il n'y aura jamais la paix entre ta famille et moi. Sors de la maison de mon mari. Ugodia, tu n'as pas encore vu le diable en moi. Tu n'as pas vu le diable en moi, Ugodia. Ugodia, va-t'en de la maison de mon mari. Ugodia. Un homme inutile. Ubochi. Qui est-il? Ubochi. Ugom, comment vas-tu? Je vais bien. Kem, bienvenue. Merci. J'ai rencontré sur ma route vers ici. Il était si vexé et très frustré. Hein? J'ai essayé de l'arrêter pour savoir où est-ce qu'il allait. Il n'a rien dit. Il m'a regardé bizarrement. Il a commencé à marcher comme quelqu'un qui voulait tuer une autre personne. Je ne comprends vraiment pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Ikem. Tu n'as pas besoin que les marabouts te disent que Ugochi est un homme dangereux. Oh. Oui. Je vois. Et tu dois vraiment l'éviter. Éviter toute chose qui va avec lui. Tu ne sais pas que son cœur brisé a eu beaucoup d'influence sur la souffrance des innocents. Reste loin, oh. Reste loin. Évite-le, s'il te plaît. S'il te plaît, oui. Gomme. Laisse Ugochi tranquille. Hein? Il n'est pas mon problème. Hein? Comment va ma petite Amouma? Amouma est en train maintenant de dormir. Ça, c'est bien. Et tu sais quoi? Elle mange beaucoup, juste comme son père. Ah. Eh bien, c'est bien. Tu sais comment tu manges plus que moi. Non, ne dis pas ça. Là, c'est toi et non moi. Tu manges plus que moi, avoue-le. Kem, ne t'inquiète pas, je sais où est ton problème. Hmm? Laisse-moi d'abord prendre ta nourriture. Je sais que tu as vraiment faim. Ok, je reviens. Ah.
Hey, abomination. Hein? Tu mens. Tu mens. Donc j'ai couché avec ma propre sœur. Hein? Hey, c'est bon. C'est bon. S'il te plaît, Amouma, mes oreilles n'entendent pas mal. Amouma, tu es donc ma fille. Amouma, tu es donc ma fille. Hey, mon Dieu. Hey. 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 Ougoudia. Ah! No! Oko si me. Oba gologolo osa agwa. Awe ma be osi neme. Femme, ton silence a causé une grande abomination. Ton silence a causé la mort et la misère. Ton silence a ruiné l'innocente. Les dieux ont prononcé leur jugement. Tu seras banni de cette terre. Et sois prête, car le roi enverra les jeunes te chercher. Et pour toi, pendant 36 mois, tu seras excommunié. Si qui que ce soit est trouvé en train de communiquer avec toi, avant l'échéance, cette personne sera bannie. Nganga! 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 Mon fils! Hey! Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Que quelqu'un vienne m'aider? Que quelqu'un vienne m'aider? À l'aide! Nganga! Mon fils! Hey! 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 Non! Mon fils! Hey! Hey! Doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Love brings light and it can bring darkness. Why do we fight for that which is good? Why do we fight for that which is good? Love is strong, but it makes me weak. Love brings joy, but it makes me cry. So what's the war? The war's a war. Get it, get it, get it.